Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je me trouve dans un milieu très fermé, un milieu très sauvage. Je suis pas tout seul, je suis avec Polo. Vous avez vu déjà de nombreuses vidéos avec Polo. La mission aujourd'hui, c'est assez simple. C'est que on pêche rarement la truite ensemble. Polo, il pêche rarement la truite. Et puis l'objectif là, c'est de lui faire prendre quelques truites. Il a déjà pris quand même quelques truites dans sa vie au toc et au leurre. L'objectif, c'est de prendre quelques poissons. Je suis le guide, même si j'ai pas beaucoup d'expérience dans la pêche de la truite. J'essaie de te montrer mon petit ruisseau favori. Essayer de te faire prendre quelques poissons. C'est ça. Pêche simple. Avec grand plaisir. Pour vous expliquer un peu le truc, ça va être des pêches simples à la cuillère. On va essayer de faire quelques poissons. Là, c'est pas évident parce qu'on est au mois de juin, mais on connaît un épisode de température assez froide, assez fraîche. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ça va, on est bien encaissé dans la vallée, mais bon, la session s'annonce quand même sympa. Allez, c'est parti. J'ai vu ce que tu as vu. J'y arrive au même moment. On a l'impression que tu mesures 1m4. C'est trop drôle. Tu peux passer au PN vite fait pour voir si elle est chaude du slibard. Ouais, t'inquiète. Ok, déjà faut faire un beau lancer, c'est pas le cas. Ah si, c'est le cas. Deuxième lancer. La galère, hein. Mais bon. Oui. Elle est belle. Yes, elle est belle. Magnifique. Ah, bien joué mon Polo, ça fait plaisir. Les efforts payent. Vraiment grâce à toi. Check ça. Moi ça me fait plaisir. Vraiment. Les efforts payent. Je t'avais dit ce spot là. Ah ouais, je suis content. On va faire un petit 27 votes. Oui. Oh la vache. Amène-la. Oh là là. C'était n'importe quoi. C'est ça, c'est pas les caméras. C'est gros, je filmais. Je sais pas ce que j'ai filmé pour l'épisode là, je vais. Bon allez, je vais foutre un jacky là, je vais gratter. Bon allez, jacky man. Bon là, il y a vraiment le spot, il est vraiment trop beau. Vraiment là. Poisson. Allez, belle. Yes, ça. À la tombée du leurre avec le Jackie Chad. Incroyable. Un petit poisson sympa. Puis Jackie 55 coloriatrine. On a remarqué que les leurres argentées et claires, ça fonctionnait bien depuis ce matin. Pour ça, je me suis. Mon choix s'est porté sur ce coloris. C'est un poisson de à peu près 20-25 qui vient me voir. Voilà. Un beau petit poisson. On a pris vraiment à la tombée du leurre. Je vais la remettre à l'eau. Allez, ma cocotte. L'eau est bien fraîche. Poisson qui repart en pleine forme, ça fait trop plaisir. Ardillon écrasé bien sûr. Là, il y a un spot. Hein. Ça se pêche. Là il y a un énorme spot. Polo il est en train de commencer à l'attaquer. Oh. Elle est belle. Elle m'a pris juste dans les pieds. Incroyable. Yes. Incroyable.
J'étais en train de dandiner, vous allez bien voir à la cam les gars. Je suis en train de dandiner le petit Jackie juste dans mes pieds. Tac, et je l'ai vu, putain, le petit éclair était juste posé là. Pas mal. Oh derrière, derrière, derrière. Waouh. T'as vu? Elle, elle était à fond. Ah. Bon bah let's go. Hein. Attention elle est belle. Oh, c'est un... elle est énorme, elle est énorme. Oh, non, je la décroche. Non, elle est encore là. Oh. Elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. Elle est énorme. Je vais recouvrir après. T'inquiète. Putain. Attends, attention, attention, à passe de nos jambes. Attention, attention. Oh la vache. Doucement, 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 doucement. Ah, mais je peux pas. Elle va me péter sinon elle va me péter. T'inquiète, déjà. C'est bon, elle est dedans. Elle est décrochée. Non, elle est piquée à l'harponner en fait. Ça s'est piqué trop bizarre. Ça s'est piqué dans la nageoire. Elle est trop bizarre. Ouah. Ça, ça, c'est un magnifique poisson. Vas-y, je la mets au ras de l'eau. Bon bah c'est pas grave. On a une. C'est un truc de fou ce qui vient de se passer, franchement je suis encore sous le choc, j'ai pas trop compris. Vraiment bah là la truite on voulait prendre des photos, puis, on l'a tenue au ras de l'eau au-dessus de l'épuisette et puis elle a sauté hors de l'épuisette. Elle est repartie dans l'eau, bon c'est de bonne guerre. Elle était dans l'aval du courant et je suis en 16 centièmes en badling. Donc un parpaing de 35 comme ça c'est difficile à manœuvrer. Mais bon ça fait trop plaisir. Pris à la cuillère tournante numéro 1, coloris doré, tout doré, donc ça fait plaisir. On va continuer la session, puis maintenant à cet homme de faire une 35. Ouais, c'est ça. Elle est belle. Oh là, elle est belle. Ah. Elle est belle. Et encore bien coffrée. Putain, mais vraiment. Un bon entrée. Sur les spots marqués. Elle est belle. Elle a une robe incroyable. Oh là là. Il vient par là. Yes ça. T'as la robe qu'elle a celle-là. Elle a pris le PN mais de plein fouet. Viens voir la robe qu'elle a. Hop. Putain la robe qu'elle a vraiment incroyable. Bon, allez. Bonne merde. Ah non, merde. Poisson. Incroyable. Incroyable. Belle petite frise. Je la remets à l'eau. Allez, belle petite frise sur le premier lancer. Je la remets direct à l'eau. Incroyable. Elle est bien fraîche l'eau. Oh, elle est petite. Petite truite décrochée dans l'épuisette, c'est magnifique. Allez, on va la remettre à l'eau rapidement. Magnifique petit poisson. Ouais, elle remonte. Truc qui freine dans mon moulin mais je saurais pas dire quoi. Ah oui, bah oui. Évidemment. Putain non.
Attends. Oh non. J'ai perdu le capuchon de mon moulinet. J'ai perdu le capuchon de mon moulinet, gros, il est tombé dans le. Oh putain, je suis un trou de balle. Décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Bah ouais, je les voyais partir avec le courant, c'est pour ça que j'ai pas réussi à le choper. Ça m'étonnerait qu'il se soit stabilisé là-dedans. Il est tombé juste là, puis je le voyais, il se barrait avec le courant là. Est-ce qu'il serait bloqué là-dedans? Il y a plein, là. Bah, je pense que c'est déjà bon. Là, c'est pas un hasard, là. Depuis 10 minutes qu'il y a le PN, ça fait réagir beaucoup plus de poissons, ça va finir par rentrer. C'est sûr et certain. Faut juste persévérer avec. Oh putain. C'est un truc de fou, ça. Putain, je suis sorti des poissons. Oh, viens. On va changer. On met un argenté basique. Je vais la chercher celle-là. On va pas repartir sans. Ouais, beaucoup plus rapidement. Lui, tu peux. En fait, tu l'animes comme ça. Lui, dans les fosses, tu fais tac, tac, tac. Comment leur sont un peu. Et ça soit beaucoup plus long. Dès que tu es sur des radiers, canne haute. Voilà, comme ça, c'est parfait. Comme ça, je viens de te le choper dès qu'il est en face de pause. Dès que tu es sur la radier, tu peux faire un linéaire avec des tac, tac, des twitches comme celui d'avant. Les cannes hautes, du coup, vu que c'est un coulant. Voilà, comme ça. N'hésite pas à faire des longues pauses comme ça. Le truc, il se déplace, il avance. Ça, c'est dévastateur. Ah, là-bas, là. Même là, lance droit devant, là. Et il y a un truc à faire. Oh les belles. Là, prends-toi. Allez, belle poule. Allez, belle. Oh, c'est bon, ça, oui. Oh, papa, je t'aime. T'as été très bon, gaillard. Oh, mais c'est toi qui as été très bon. C'est toi qui m'as dit, mais ça. T'as été très bon, mon gars. Tu vois, on a affiné la pêche et tu trouves le leurre. Et boum. Là, c'est magnifique. Alors les guys, voilà une belle truite. Belle truite de 37 cm. Du coup, mon record truite qui vient concrétiser une belle fin de week-end et qui va repartir. Allez, Nana, qu'est-ce que t'en dis? Tout doucement. Poisson, elle est grosse, prolo, elle est grosse. Yes. Oh putain. Elle est grosse. Elle est comme un bœuf. Bien vu ça. Elle est pas si grosse. Et je suis passé 15 fois sur la zone. Oh là 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 là. Bon voilà les gars, on va la remettre à l'eau. Belle truite de plus de 30. C'est parti. Ah, c'est franchement, je suis passé 20 fois sur la zone. Hop. Elle est juste posée dans ma main. Prends tranquille ses esprits. Et là, elle repart plein jus. L'eau elle est vraiment très froide, bien oxygénée, ça fait trop plaisir. J'ai mon polo, merci. Confirme. Elle est froide, hein. Elle est froide, la flotte. Putain. Va faire place. Oh voilà, franchement, il vient de se passer un truc de fou. Ouais, là c'est dingue. On était vraiment au fond du trou pendant bien 1h30, 2h. Bah facile. Que des suivis, rien qui prenait. Vraiment, c'était trop linéaire. Ah ouais. J'ai trop linéaire et une fois qu'on a mis les PN, là c'était beaucoup plus. Déclenché beaucoup plus d'attaques. Ah ouais. Et puis vraiment animé en saccade, vraiment. C'est direct dès qu'on a mis des PN, on a vu que ça réagissait beaucoup plus. Après, on a affiné le coloris. Au début, un ventre rose, ils en voulaient moyennement. On a mis un ventre argent et là c'était des tapes de plein fouet. Les poissons bien piqués, donc ça fait trop plaisir.
J'espère que la session va continuer sur cette note parce qu'il y a encore quelques bons spots à faire. On va continuer avec l'EPN et puis enfin l'EPN parce qu'il n'y a plus qu'une seule canne maintenant qui pêche. Si j'avais pas fait le zouave à perdre la vis là, la petite vis sur le frein de mon moulinet, bah je pourrais continuer à pêcher, mais malheureusement ça va être compliqué de pêcher sans. Donc Polo, on va alterner. On a mis le moulin de Polo sur ma canne et on alterne gentiment. Polo me laissait gentiment pêcher aussi parfois, donc ça fait trop plaisir. On continue la session et puis on espère faire un beau poisson de plus. Bon là c'est pas le meilleur spot pour un PN coulant, mais on va tenter. Hein. Oh loupé. Oh putain, oh elle est énorme. Oh incroyable action. Elle est incroyable action, elle est revenue comme une balle sur le PN. Incroyable. Et c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Et vraiment incroyable ce qui s'est passé. Vraiment je suis encore sous le choc, je tremble un petit peu. Je lance mon PN, je vois ça. Ça chasse dans tous les sens, deux truites. Je la décroche, enfin j'ai l'impression que je la décroche une première fois. En tout cas l'heure il arrive à une vitesse folle. La truite, je la vois faire une trajectoire rectiligne, à fond la caisse, elle prend le PN, elle se secoue, elle se décroche, enfin, une action de malade. Vraiment une action d'anthologie. Incroyable. Avec un petit poisson nageur colori Fario comme ça. Ça part toi Polo. Encore, ça suit. Incroyable action, incroyable, vraiment. Je suis sous le choc. Et voilà, c'est une fin de session avec Monsieur Polo Fishing. C'est bien sympa, on a fait bouger des beaux poissons, surtout sur la fin. Deux très belles journées. Ah ouais, deux très belles journées. On a pêché donc hier, la première journée, on a pêché 7 heures. Ouais, 7 heures. 7 heures, on a compté à peu près. Et aujourd'hui, on a pêché à peu près 4 heures. Donc on s'en sort avec quelques petites truites de plus de 30, dont le record de Polo, ça fait trop plaisir, 37. Ouais, trop cool. Magnifique poisson, belle truite Fario. C'est ça. Ça fait trop plaisir. On a vraiment cherché la pêche en plus aujourd'hui et puis on a trouvé la pêche. Donc c'était vraiment gratifiant. À la fin de la journée, ça a été vraiment le truc qui faisait bouger les poissons et les beaux poissons. Je vous remercie d'avoir regardé. À plus. La bise. La bise.